Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour la première vidéo de ma nouvelle série entre guillemets qui s'appelle Linguistique. Les vidéos linguistiques sont consacrées à différentes parties du français, différents concepts qui, dans un premier temps, peuvent paraître assez rébarbatifs, mais qui sont en réalité très simples. Je vous propose de commencer aujourd'hui avec la contrepétrie et les calembours. Commençons par la contrepétrie, qui est un jeu de mots qui consiste à permuter des phonèmes, que ce soit des voyelles, des consonnes, et le but de la contrepétrie est de ne jamais dévoiler la solution, ce qui permet d'émoustiller les personnes qui ont trouvé la solution et de laisser dans l'ignorance ceux qui ne l'ont pas trouvée. Quand on parle de contrepétrie, on pense. Ici, je vais être obligé de vous donner le premier exemple pour que vous compreniez le mécanisme, mais quand on parle de la folle de la messe, en inversant, en réalisant une contrepétrie, on parlera de la molle de la fesse. Nous avons d'autres exemples comme sans fin ni cesse, qui signifie sans interruption. Eh bien, je vous laisse réfléchir. Si je vous dis sans fin ni cesse, quelle est la contrepétrie possible? Il y a encore d'autres exemples, évidemment, comme la phrase suivante, il fut mou, ce chimiste. Eh bien, imaginez par contrepétrie ce que ça peut donner. La contrepétrie, que l'on appelle aussi contrepaix, n'est pas à confondre avec le calembour. Le calembour est un jeu de mots qui consiste à jouer avec l'homophonie ou la polysémie des mots. Si je vous dis les tôles ondulées, les vaches aussi. Eh bien là, c'est l'exemple typique d'un jeu de mots que l'on appelle un calembour. Voilà, c'est ici que s'achève ma vidéo avec tous ces jeux de mots. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, à lâcher un petit pouce bleu, à me faire aussi vos recommandations et vos envies. Et je vous retrouve très prochainement pour d'autres aventures linguistiques. À très bientôt. Au revoir.